Bonjour les amis, c'est Suélène, reine de magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va aller regarder ensemble dans cette vidéo l'aspect général et l'aspect sentimental relationnel de votre mois de février 2022. Nous allons dans cette vidéo aller regarder ce qui se passe pour les lions, mais bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez aller consulter votre signe ascendant lunaire ou signe en Vénus, pardon, pour avoir un complément. Voilà. On va aller regarder ce qui se passe, mais avant, je tiens à vous rappeler que ce sont en tout cas des tirages et des énergies qui sont générales, qui ne parleront pas à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement. Prenez seulement ce qui résonne avec ce que vous êtes en train de vivre. Prenez seulement ce qui résonne en vous, tout simplement. Et ne faites pas de fabulation. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Vous pouvez l'entendre encore, j'ai une voix un petit peu compliquée. Encore malade. Allons voir avec Qumran quelle est la question pour votre mois de février que vous devez vous poser. Quelle est l'émotion présente? Alors peut-être que vous avez une émotion qui est un petit peu enfouie au fond de vous. Il va falloir travailler dessus là, mes petits lions. Travaillons, travaillons sur l'émotion présente. Allez, on y va. On va prendre les 77 version vanille, la version luxe de mon amie Katia. Allez, c'est parti les lions. Qu'est-ce qui se passe pour les lions? On y va, les lions. Lion février 2022, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes petits lions? Allez, on y va. Les solutions sont à votre portée et les... Oh, c'est trop beau, moi je veux être lion. C'est trop mignon. Les solutions et l'élévation, on est vraiment en train de vous dire, vous trouvez des solutions, il y a beaucoup d'abondance, beaucoup de... Il y a des accords, hein. Sur le mois de février, vous arrivez à obtenir des accords, ça vous fait vraiment plaisir, vous vous sentez bien, il y a un nouveau départ, un nouveau cycle, il y a des cadeaux de la vie. Ah ouais, sur le mois de février, ça sent bon, mais qu'est-ce que ça représente pour vous? Quelle émotion il sort de tout ça? Eh bien, je pense que ça va être de la joie, de la bonne humeur. Ouh, c'est bon ça, les lions! Moi, je kiffe. Franchement, il y a vraiment cette énergie d'émotion très positive au fond de vous. Qu'est-ce que ça vous procure de vous élever, de gagner, de grandir, d'aller de l'avant? Ouais, qu'est-ce que ça va provoquer au fond de vous? Qu'est-ce que ça va venir titiller, chambouler, hein? Qu'est-ce que ça va venir faire? Ça va vous demander de prendre un nouveau départ, de faire des choix, d'accoucher d'un projet. Il y a cette idée aussi de tourner le dos, hein, à des choses. Hein, et, ben, forcément, quand on fait des choix, il y a le fait de tourner le dos. Il y a une association. Ouh, il y a de l'argent, il y a de l'argent. Oh, il y a de l'abondance. Hein. Ah ouais. Alors concrètement, sur le mois de février, on ressent l'abondance, on ressent une notion de rapidité, de quelque chose qui était immature, il y a peut-être des décisions de justice, des choses comme ça. Hein. Ouais, il y a peut-être, tu vois, l'idée d'un juge qui rend un verdict, une décision, quelque chose que tu attends depuis longtemps, c'était pas encore à maturation et là, ça arrive très vite. Hein. Début février, il y a quelque chose qui tombe, hein, quelque chose qui te manquait pour pouvoir t'épanouir, pour pouvoir aller de l'avant. Alors concrètement, sur le mois de février, là, les lions, on sent au centre de votre tirage un homme. Alors, soit c'est vous, cet homme, soit c'est peut-être quelqu'un de votre entourage, soit c'est un homme qui va avoir une position ou une place importante, on va dire, d'accord? Sur ce mois de février. On sent qu'il y a un accord, des associations via un homme, une porte qui s'ouvre pour un homme. Il y a quelque chose vraiment qui va faire du bien, qui va permettre d'ouvrir une porte où il y a plusieurs choix. C'est peut-être des choix qui vont être financiers, parce que là, on me parle de finances et d'abondance. On me parle de biens matériels. Ça peut être aussi quelque chose en fait qui avance dans l'achat d'un logement, d'une voiture, en tout cas de quelque chose qui financièrement est élevé. D'accord? C'est pas voilà, on va pas acheter le dernier robot, mais ou le dernier portable. Non, non, là on parle de voiture, de maison, de quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'il y a un projet ici qui arrive enfin à son terme. Vous voyez, on voyait que c'était immature, mais maintenant ça va très vite. Il y a quelque chose qui est à terme, une signature, un contrat qui signe pour prendre une nouvelle orientation, un nouveau départ. Hein. C'est vraiment un nouveau départ avec beaucoup d'abondance, beaucoup de richesse. Et qu'est-ce que ça vient titiller en toi? Qu'est-ce que ça vient un peu provoquer en toi? C'est un petit peu la question hein, que ça pose. C'est-à-dire que ça me procure de la joie, ça me procure quoi comme sensation? Ouais, là il y a un beau cadeau de la vie, il y a une signature, il y a un accord,
Il y a une association qui se fait ici. Alors peut-être que certaines personnes vont accoucher, hein, tout simplement. Hein, on est peut-être dans ça. Ouais, il y a la fin d'une situation qui était compliquée, la fin d'une situation qui était difficile. On sent, hein, c'est... Ah ouais, on s'élève. Hein, on s'élève financièrement parlant. On s'élève. Il y a quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Depuis longtemps. Ouais. Ça y est, ça se coupe. Hein. Ce que tu attends depuis longtemps, ce que tu attends qui arrive depuis longtemps, une décision. Ou je te dis, il y a quelque chose comme ça que tu attends depuis un petit moment, peut-être de prendre des vacances. Ça va arriver, ça arrive. Mais qu'est-ce que ça provoque en toi? Est-ce que c'est le feu, c'est l'euphorie, c'est wouhou! Tu vois, il y a ce petit côté. Enfin, il y a quelque chose qui se termine. Je vais pouvoir. On m'a entendu, je me suis défendue, on m'a entendu. Je vais pouvoir casser quelque chose qui traîne depuis peut-être deux, trois, plusieurs mois et qui arrive comme un beau cadeau de la vie. Il y a vraiment le fait de festoyer, de prendre ce nouveau départ avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour hein, ici. Hein. Allez, on va aller voir avec le Happy Tarot. Ouais, regarde, tu vois, tu peux regarder vers l'avenir. Là, ce poteau, il est attaché et l'autre, non. C'est, on laisse le passé derrière soi, on regarde droit vers l'avenir. Là, il y a quelque chose, hein, il y a une notion d'équilibre, encore de justice, hein, de positionnement. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on y va? C'est parti, les amis. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Le magicien. Tu as toutes les cartes en main. Tu peux transformer les choses. Il y a la volonté de passer à l'action par rapport à tes peurs. Hein. Ici, on est vraiment dans l'idée, je passe à l'action, je maîtrise mes peurs et j'avance. Parce que ici, je suis dans l'accomplissement, dans la satisfaction de mes désirs matériels. En tout cas, mes désirs se. Alors, ce n'est pas matériel, mais c'est plutôt. Mes désirs se matérialisent. Tu vois, il y a quelque chose, enfin, c'est là. Et j'ai l'impression qu'on te dit les émotions qui sont présentes parce qu'en fait, ça te tombe sur la gueule comme si tu ne t'y attendais pas, quoi. C'est vraiment, c'est. Waouh, c'est là, c'est maintenant. Qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Ça y est, mes désirs, ils sont là, je suis arrivée à un terme, à un accomplissement, à une satisfaction, j'ai su transformer les choses, j'ai su m'éloigner, en tout cas, de mes peurs, couper, confronter mes émotions les unes avec les autres, et là, j'obtiens ce que je souhaite depuis longtemps. C'est quelque chose vraiment que tu as mis du temps à acquérir, et là, ça y est, toutes les coupes, elles sont pleines de glace, elles sont devant toi, tu as le droit de choisir. Il y a le choix de... T'es satisfait, mais en plus, t'as le choix. Et ça, c'est incroyable, hein, c'est extraordinaire. Hein. Oh, très beau tirage. Hein. Allez, on y va. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe sur ce mois de février? Moi, je trouve ça vraiment très, très beau comme tirage là pour vous, les lions. Très, très beau tirage pour les lions. Très, très beau. Allez, on y va. Première carte ici, on a le page de deniers. Et ce page de denier, c'est l'opportunité. L'opportunité, mais pas seulement, c'est l'opportunité matérielle. On est dans les deniers, c'est l'opportunité matérielle, c'est le fait d'être réaliste sur le fait de pouvoir avancer. Comment je vais avancer? Mais je suis réaliste sur le fait que matériellement parlant, j'ai les possibilités. Regarde, regarde ce qui ressort. Je suis satisfait, j'ai les désirs qui se matérialisent ici. J'ai tout qui vient à moi. Oh, moi, ça m'énerve. Je vais être lion, c'est pas possible. 6 de bâton, victoire, fierté, récompense, valeur reconnue. Ouais, t'es reconnu, ça y est, t'es satisfait. Tout ce que t'as fait, ça se concrétise dans la matière, là, les amis. En plus, cavalier d'épée, déterminé, franc, on est tranchant, on est décidé, reine d'épée, on est dans le réalisme, la franchise, l'intelligence. Et puis là, dans le côté nostalgique, émotionnel, et puis en plus, on a, comment te dire, le roi et la reine, les leadership par excellence au niveau du mental, au niveau de ton état d'esprit, tu rétablis l'ordre, tu es assuré, tu sais où tu vas, tu sais où tu vas, tu es franc, tu es déterminé, tu sais où tu vas en plus, hein. Et tout ça avec un regard innocent sur une espèce de nostalgie de tout ce qui s'est passé depuis un petit moment. À te dire que ça y est, c'est ouf, j'obtiens ce que je veux, d'accord? J'arrive à un espèce d'accomplissement de ce que je veux, ça se matérialise, j'obtiens enfin
cette victoire. C'est une fierté pour toi d'obtenir tout ça malgré les peurs, malgré les angoisses. Tu vois, regarde, en plus, il y a les angoisses, la peur, mais derrière, tu as la mort. Donc, c'est vraiment, ça se termine, hein. Il y a vraiment une fin de tes terreurs, de tes peurs, parce que ça se matérialise dans la matière. Et c'est vraiment, on arrive aux opportunités que tu attendais. Ça y est, elles sont là, elles se concrétisent, elles sont prêtes à émerger, quoi. Alors, je ne sais pas ce que tu attendais, mais en tout cas, quand on te parle d'émotion, c'est on te demande quelle émotion ça provoque en toi. Parce que là, concrètement, c'est top, hein. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Allez, on va aller voir ensemble. On va aller regarder, hein, si c'est aussi génial au niveau sentimental et relationnel. Franchement, je te le souhaite, hein, mon ami Lion, parce que là, on est vraiment dans... Waouh! C'est beau! C'est magnifique, c'est croissant. Alors, si tu attendais pour la signature d'une maison ou quelque chose comme ça, c'est open bar, hein. Franchement, là, le mois de février, c'est ton mois, hein. Si tu attendais pour un crédit, pour l'achat d'une voiture, pour un bien secondaire ou partir en vacances aussi, hein, ça peut être un très beau voyage aussi. J'ai mon guide qui me dit, ça peut être aussi un voyage que tu attends depuis longtemps, quelque chose, tu vois, quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est enfin la résolution d'un gros problème. Alors, je sais pas, comme si tu attendais qu'on reconnaisse quelque chose et que là, ça tombe. Tu vois, il y a vraiment cette notion que je me suis battue comme un acharné, une acharnée pour obtenir ça. Maintenant, je l'ai, mais qu'est-ce que ça provoque en moi? Est-ce que ça change quelque chose dans ma vie? Est-ce que vraiment je me rends compte que ça change ou ça bouge quelque chose dans ma vie? Tu vois, il y a cette idée-là. Allez, avec le Witchy, le Normand, le petit conseil sentimental et relationnel, hein, que ça peut parler des deux. Le navire. Encore une fois, cette notion de fait que, pour beaucoup de signes, hein, c'est marrant, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui est en train d'avancer. Ouais, on sort du trou. On sort du trou, hein, même émotionnellement parlant, on sort de quelque chose qui était compliqué, hein. Ok, allez. J'essaie de pas mettre, il n'y a pas trop de lumière pour que voilà. Allez, on y va avec le petit le Normand. On va les regarder ensemble. Ah, ben j'ai pas regardé la coupe. Bon, tant pis, c'est pas grave. Alors, le dé, l'ours, le cœur. Ok, tu laisses le hasard, tu laisses les choses se faire. Le serpent, il y a une transformation. Ok. Tu vois, quand je te parlais de déménagement, on a la cigogne, hein? Ouais. Ça peut être vraiment la signature pour une maison, hein? On trouve enfin des accords. Ouais, il y a quelque chose comme ça, hein? Ok. Alors, je commence par nos amis célibataires. J'ai l'impression qu'on prend du recul, on voit les choses sous un autre angle, on trouve des solutions, on se sent beaucoup plus fort, hein? Émotionnellement, on se sent beaucoup plus fort. Il y a des choses qui se transforment, du stress, de l'angoisse qui se transforme. Parce qu'on trouve des solutions. Là, les petites souris, elles arrêtent de vous stresser, elles arrêtent de vous ronger de l'intérieur. On trouve la solution et on construit un pont pour aller de l'autre côté du rivage. Il n'y a plus de problématiques, il n'y a plus le cœur qui est un petit peu compliqué. Là, il y a des échanges au niveau sentimental, il y a peut-être des rendez-vous. Moi, j'ai la sensation que pour les célibataires, on va bouger, on va aller se rendre à des rendez-vous. Il y a de l'action au niveau sentimental, hein. On transforme son état d'esprit, on laisse le hasard se faire, on se protège quand même un petit peu parce que la carte de l'ours, elle parle aussi de protection, hein. C'est la main de fer dans un gant de velours, hein. Tu vois, il y a vraiment cette idée-là et c'est vraiment, ouais, c'est ça, c'est l'idée, je transforme cette énergie de protection en quelque chose de plus doux, de plus léger. J'ai la sensation aussi que pour certains, il pourrait y avoir des belles surprises. La carte 17, la carte de la cigogne, c'est toujours le changement, la naissance. Il y a vraiment une idée de bienveillance dans cette carte. D'accord? C'est on transforme les choses avec bienveillance et on accueille les nouveautés. Hein? Tu vois, tu te sens plus perdu en haut de ta tour. Moi, j'ai l'impression que tu arrives à trouver la direction. D'accord? En prenant de la hauteur du recul. T'as trouvé des solutions pour sortir un petit peu d'un deuil, de quelque chose qui te faisait mal en tant que célibataire. Pour les couples, ici, ça pourrait être l'idée quand on nous annonce une grossesse, hein, ça pourrait être ça avec la carte de la cigogne en plein milieu. Ça veut dire que les choses, elles bougent, les choses, elles changent, les choses, elles se transforment, elles avancent, elles évoluent. On sent qu'il y a beaucoup d'amour dans votre vie sur ce mois de février. Encore une fois, on est dans les émotions là pour vous sur le mois de février. Donc,
Faut pas avoir peur de tout ça. En tout cas, très très bon mois de février, que ce soit pour les célibataires ou les couples, mais en tout cas pour les couples, on sent qu'il y a quelque chose qui vous permet de sortir du stress, de l'angoisse, quelque chose qui vous rongeait. Enfin, ça se transforme. C'est peut-être un coup du hasard, un coup, tu sais, quelque chose qui vient comme ça, qui n'était pas attendu, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Qui vous permet de vous ancrer. Il y a quelque chose qui vous permet vraiment de vous ancrer. Il y a quelque chose qui sort des conflits. On coupe, on tranche, on récolte quelque chose qui était dans l'ombre. Quelque chose que tu attendais certainement depuis longtemps. Ça rejoint vraiment le tirage général. J'ai l'impression que les choses, elles bougent, elles sont vraiment en mouvement avec cette carte du bateau. Il y a un déplacement, il y a l'idée de voyage, peut-être un voyage de noces, peut-être un voyage en amoureux, quelque chose qui vous permet un petit peu de vous revenir l'un et l'autre. Tu vois, il y a quelque chose comme ça pour les couples. En tout cas, on sent qu'il y a des nouvelles, il y a quelque chose qui vous permet de sortir un petit peu. De quelque chose qui était dans l'ombre. Moi, j'ai l'impression que tu attendais quelque chose du haut de ta tour, là. Tu attendais de prendre la bonne direction et la nouvelle, elle tombe et tu vas pouvoir avancer. Pour moi, concrètement, avec la cigogne et la clé, on est peut-être dans l'idée d'un déménagement ou de signer pour une maison, pour quelque chose d'important. Ou peut-être un local commercial, hein, parce que le navire me parle aussi de commerce, donc ça peut être aussi quelque chose de commercial ou quelque chose comme ça. Et ça se fait à deux, ça se fait vraiment au niveau avec des gens que tu aimes, des gens que tu apprécies, des gens qui sont là pour toi. Bon, bah super mois de février pour vous les lions. Je vous le souhaite en tout cas. Je vais vous faire plein de gros bisous. N'oubliez pas de laisser des petits commentaires, des petits pouces en l'air. N'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez sur ces vidéos. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite. Bye bye.